Bonjour Catherine. Bonjour Henri. Alors Catherine, on se connaît un petit peu. Tout à fait. J'ai suivi ton parcours et puis je suis très heureux de t'interviewer aujourd'hui parce que c'est un rendez-vous qui était repoussé plusieurs fois. Oui. Et finalement, les choses finissent par arriver. C'est vrai. Donc Catherine, je t'ai connue comme figurante, on va dire, hein, dans un long métrage. Je t'ai connu aussi dans une profession et on m'a dit que tu avais changé de voie, de métier. Qu'est-ce que tu deviens? Oui, tout à fait. Alors, donc j'ai créé ma maison d'édition il y a très peu de temps. Et donc, suite au succès de mon livre Le Prince Maudit, j'ai décidé de prendre ma liberté, on va dire, hein, entre guillemets. Et donc, je m'édite moi-même et je vais pouvoir distribuer mes livres un peu partout en France et dans le Bourbonnais et en Auvergne. Il faut quand même une énergie, une confiance incroyable pour entamer ça. Oui, c'est dans la vie, je suis assez battante et voilà, je veux m'en sortir et donc maintenant, voilà, je suis mon propre capitaine, on va dire, et voilà, je me lance dans cette aventure. C'est du travail, mais dans la vie, j'aime pas rester sans rien faire. Et là, voilà, je suis mon propre chef. Et alors, d'où te vient cette nature-là? Parce que je ne pense pas que c'est un truc qui nous tombe dessus. Tu as cherché des choses dans l'enfance Ma nature combattante, oui, tu veux dire? Oui, celle-ci. Alors, en fait, c'était suite à des gros soucis de santé, donc où j'ai failli y passer, hein, comme on dit. Et au réveil, je me suis dit, il y a des choses que je n'ai pas pu réaliser et il faut que je les fasse. Donc l'écriture en faisait partie, ça faisait très longtemps que j'écrivais, bon j'écrivais pour moi-même. Et je me suis dit, non là, il faut que je me lance, il faut que je fasse découvrir mon écriture au public. J'ai participé à un salon des auteurs où j'ai été dans le jury pour un prix littéraire. Et de voir tous ces auteurs, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. C'était suite à ces problèmes de santé que j'avais eus. Et là, je me suis dit, bon, la vie est courte et il faut faire ce qu'on désire et ce qu'on rêve. Donc, les prises de conscience, c'est quand même quelque chose de très important. Oui. Parce que sinon, on pourrait avoir, je ne sais pas, une vie linéaire, bien rangée, et arriver peut-être au soir de sa vie en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, un peu, oui, tout à fait. En fait, j'essaye de croquer la vie à pleines dents et je voudrais faire 100 millions de choses et voilà, je vais essayer de réaliser le plus de choses possibles et là l'écriture et l'édition ça en fait partie. Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée, je dirais, d'avoir créé un personnage intemporel et immortel? Oui, un peu aussi. Quelqu'un qui a des tas de vies et pourtant une vie linéaire, enfin oui. J'entends dans ce sens-là qu'il reste, prince de Bourbon. Peut-être pas dans le titre, mais au moins dans la lignée, et que cet homme-là, bon, va avoir... Il évolue, mais il reste fidèle à ce qu'il est quand même. Voilà, hein, c'est ça, voilà. Ses valeurs, oui, tout à fait. Voilà, donc on a eu le premier tome qui a bien marché, on peut dire, hein, puisqu'il est sorti l'an dernier... Fin octobre, ouais, j'allais dire début novembre, mais voilà. C'est ça, oui. Et qui a connu un succès au-delà du succès d'estime, puisque ça ne s'est pas... Hein, c'est quelque chose qui s'est bien vendu, ce livre s'est bien vendu. Mmh. Ça donnait tout de suite l'envie de créer un deuxième tome qui marche bien là. Je l'ai fait court au départ parce qu'en fait c'est un petit peu un test. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que les gens pensaient de ma qualité d'écriture et bon, ça a marché. Donc visiblement, ça plaît. Je suis partie sur le tome 2 et j'ai écrit en 3-4 mois. Donc ça a été assez rapide puisqu'il est sorti en avril de cette année. Donc ça a été assez rapide. Et donc le tome 2, c'est la suite des aventures de Guillaume et d'Alix. Je ne sais pas si je peux en parler. Tu peux en parler, tu es là pour ça. Donc Alix continue sa formation de protectrice de Guillaume, hein, donc à Liers Archambault 6, qui est donc le sire de Bourbon. On va les suivre à travers le Bourbonnais. Il va y avoir un troisième protagoniste qui va rentrer dans l'histoire et qui va un petit peu... mettre un petit peu... Je n'y arrive pas. Mettre un petit peu quoi? Il va relancer un petit peu l'histoire? Oui, il va un petit peu mettre son grain de sel, en fait, dans l'harmonie du couple, Guillaume et Alix, et ça va être un petit peu perturbé. Ça relance un petit peu, parce que elle sinon... Elle va aller dans un autre monde.
voilà, on est dans les lieux du Bourbonnais, la forêt de Troncé. C'est mystérieux, il y a un mystère. Elle va connaître aussi ses origines. Et après, donc, je vais certainement retomber sur un tome 3 qui est en prévision. Donc là, je suis en train d'étudier, de voir un petit peu ce que je peux faire. Donc là, c'est un scoop, là, ce que tu nous annonces. Oui, là, il va y avoir un tome 3. D'accord. Et un peu, je la joue un petit peu à Star Wars, puisque ça sera le commencement de la vie de Guillaume d'Archambault. Donc là, il y aura des détails un peu historiques. Et donc voilà, je travaille là-dessus en ce moment. Et en septembre aussi, puisqu'on est sur les prochaines sorties, en septembre, il y aura un recueil de nouvelles fantastiques. Mais là, par contre, ça ne se situe pas forcément dans le Bourbonnais, il y a un petit peu dans la Creuse. Et donc, c'est un recueil de nouvelles que j'avais écrit il y a quelques années et que j'ai retravaillé. Et donc là, il va sortir sous ma maison d'édition Angel Fall et en septembre. Voilà. D'accord. Alors, un petit mot de ta maison d'édition. Oui. Alors, elle s'appelle comment ? Donc, Angel Fall édition. Angel Fall, c'est ça, oui, pardon. Voilà, l'ange déchu. L'ange déchu, voilà. Et donc là, comment on crée une maison d'édition quand on est une petite bourbonnaise qui... Alors déjà, bon, j'ai fait une petite formation, entre guillemets, par correspondance, déjà. J'ai côtoyé pas mal de personnes dans ce milieu-là. Mon ancien éditeur, les éditions Rebelles aussi, oui, qui m'ont donné beaucoup de conseils. D'accord. Voilà, et donc après, j'ai pas mal de connaissances aussi de par mon ancien travail dans la communication. Donc j'ai pas mal de contacts. Et c'est vrai que ça aide beaucoup, parce que du coup, là, je suis éditrice, et en plus, il faut que je fasse la promotion. Je suis auteure et éditrice, donc il faut que je fasse ma promotion. En fait, j'ai les deux casquettes, donc c'est un travail qui est très très lourd. Mais je m'en sors, ça va. Bon. En tout cas, tu es une femme qui a beaucoup d'imagination, parce que en ce moment, on peut visiter la Tour Carrée, oui. Et lorsqu'on reprend le premier tome, notamment, la description que tu fais de l'intérieur du château est absolument pas du tout conforme à ce qu'on visite, à ce qu'on voit. C'est vrai. Et, c'est dommage. C'est dommage, mais bon, voilà. Je trouve que la lecture et l'imaginaire d'un auteur nous projette vraiment, nous permet de nous projeter et d'aller beaucoup plus loin. Donc, quand tu entraînes les gens dans un univers fantastique comme ça, on y adhère tout de suite et on rentre. Hein. Mmh, voilà. C'est vrai. Ouais. Les gens m'ont dit qu'on a l'impression de se trouver dans les lieux. Quand on lit l'histoire, on a vraiment l'impression d'y être. C'est ce qu'on me dit. Voilà. J'ai l'impression que. Moi qui suis dans la vente, hein, un bon vendeur, c'est ce qu'on dit, c'est pas celui qui parle le plus. Hein, c'est oui. Celui qui laisse au client le soin d'imaginer peut-être quelque chose. Et toi, un bon auteur, je dirais un peu ça. Tu poses un cadre, tu racontes une histoire et puis après, le lecteur se l'approprie et avance et son imaginaire se développe aussi. C'est ça, tout à fait. Voilà. Encore que tu as des descriptions narratives, notamment pour la fête, on voit les couleurs des robes, les choses comme ça. Oui, j'aime bien décrire les couleurs, les sons, les objets, enfin toute l'ambiance, l'atmosphère en fait. C'est ce qui transparaît dans ce que j'écris. Hein. Alors, un signe qui ne trompe pas chez les gens prometteurs, ce qu'on envie entre guillemets, c'est la critique. Et tu parlais de Star Wars tout à l'heure, et il y a quelqu'un qui t'a critiqué en disant que tu faisais Highlander. Oui, oui. En fait, mon histoire était une pâle copie d'Highlander, alors que ce n'est pas du tout le cas. Hein, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Je confirme. Voilà. Mmh. Donc, je confirme aussi. non, ça n'est pas du tout ça. On parle du Bourbonnais, de son histoire, des ducs de Bourbon, du patrimoine. Bon, il y a bien sûr le personnage principal qui est immortel, mais non, c'est juste cette petite note-là d'immortalité, mais sinon ça n'a rien à voir. Bien sûr. Non. Et alors Archambault 6, pardon, c'est pas facile à dire. Archambault 6, oui. Archambault 6, tu sais où il est enterré finalement ? Non, pas du tout. Est-ce qu'il est dans la crypte à Souvigny ? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Non, il est mort dans des circonstances assez étranges et il est tombé dans l'oubli. Et moi, quand j'ai lu ça, parce que bon, je me suis toujours intéressée à l'histoire du Bourbonnais, au duc de Bourbon et au sire de Bourbon, le Moyen-Âge, c'est une période que j'affectionne beaucoup,
toujours, hein, je ne sais pas pourquoi, depuis toujours en fait. Depuis toute petite, le Moyen-Âge m'a fascinée. Et en regardant l'arbre généalogique, Archambault V, son père, il s'est marié avec une personne qui s'appelle Lucchès, mais on ne sait pas trop d'où elle vient non plus. Donc ça, déjà, ça a un peu titillé mon imagination. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Et Archambault VI, donc, qui a vécu jusqu'à à peu près 19 ans. Et son oncle, donc Aymon d'Hivervache, a pris son héritage. Donc il s'est fait prendre ses fonctions. Parce qu'en fait, quand son père est mort, Archambault VI, il était trop jeune et il ne pouvait pas régner. Enfin, il ne pouvait pas exercer ses fonctions. Et son oncle en a profité pour... pour prendre tout son héritage. Quoi. Les petites tâches de l'histoire, mais oui. C'était quand même monnaie voilà. courante. Hein. Oui, c'est ça. C'est et souvent. Du coup, il est mort, on ne sait pas trop comment. Et il a été perdu dans l'histoire, et j'ai dit, tiens, c'est peut-être un bon départ, et je suis partie de ça, et j'ai brodé une histoire avec lui. Où il est devenu éternel, cet voilà, homme. Voilà, c'est ça. Alors voilà, justement, le 8, le symbole de l'éternité, tu me parles un petit peu de ça? Oui, alors ça, c'est le petit bracelet que j'offre donc pour l'achat de Tom. Et j'offre aussi un marque-page également. Très bien. Voilà, aux personnes qui m'achètent les deux tomes. Alors, tiens, j'ai envie de te poser une question, parce qu'on m'a posé une question l'autre jour. Nous sommes allés avec ma compagne voir un spectacle, et au moment de payer, au lieu de nous dire combien c'est, la caissière nous a dit « Est-ce que vous êtes heureux dans la vie ?» et j'ai envie de te poser la même question. Oui, maintenant, oui. Oui, oui. Maintenant. Oui, maintenant. Et donc, tu aimes ta vie. Oui, ma nouvelle vie, on va dire. Oui, oui, je suis, je ne sais pas, libérée d'un poids et maintenant je vois l'avenir. Je suis positive maintenant, alors que je l'étais un peu moins avant et j'espère que tout ça va marcher. Donc il est sur Amazon aussi. Oui. Donc, vu que maintenant je suis éditrice, et j'ai pris en main les choses et je l'ai mis sur Amazon également et les ventes ont bien démarré. Très bien. Voilà. Donc le message là-dedans, il y en a un. Parce que, en t'entendant, il y a un message, mais dans ce que tu écris. Dans ce que j'écris, bah, moi après, c'est beaucoup le romantisme, l'amour, et que bon, justement dans le tome 2, je disais « Amor vincit omnia », ça veut dire que l'amour conquiert tout. Et pour moi, je pense que par amour, on peut se dépasser et faire beaucoup de choses. Oui, la lettre vie. De Paul aux Corinthiens, tu oui. connais ah, ouais. Oui. Et l'amour est au-dessus de tout. C'est ça. Ça. Oui, c'est aussi une philosophie à laquelle j'adhère. J'aime beaucoup ça. C'est ça. Dans l'absolu de l'amour. Oui. Bon, Catherine, et, bah, écoute, on te souhaite bonne route. Merci beaucoup. Merci, je te remercie de nous avoir consacré un petit peu de temps. Merci et puis, à vous. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.